kayak, une embarcation traditionnelle qui nous vient du peuple inuit. Kayak est un mot inuit qui veut dire homme bateau. À l'époque, ils construisaient leur embarcation qui leur servait à se déplacer, à chasser, à pêcher, à faire quasiment tout, même à jouer, à faire des courses entre eux, des animations. Et du coup, ce mot kayak veut dire homme bateau. Il y a, dans un kayak, il y a trois points de calage. Il y a le siège, on vient s'asseoir ici, le dos le plus droit possible pour avoir une bonne position. Tout au fond, nous avons des cale-pieds, où on pose la plante de nos pieds. Et ensuite, pour la stabilité du bateau, on vient mettre ses genoux de chaque côté de l'embarcation pour pouvoir maintenir l'embarcation. Alors ce support, c'est un bateau qui fait quasiment 5 mètres de long. C'est un bateau qui est stable, qui est confortable, qui est rapide. Il est destiné à la randonnée, à la longue distance. Facilement faire 3 heures dans ce genre d'embarcation en étant en toute sécurité et confortable. Ces bateaux ils sont immatriculés, du coup aux affaires maritimes on peut s'éloigner à plus de 2000 des côtes. C'est un merveilleux engin pour découvrir le littoral breton et notamment la côte de Douarnenez. Tu fais coucou dans l'eau, tu restes dans l'eau comme ça tu fais un coucou. Allez, 1, 2, 3, regarde Gaël et on dit Kawabanga.